Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario 3D World. Et la dernière fois, on s'est laissé ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué hors vidéo afin de pouvoir aller chercher toutes les étoiles et tous les timbres de chaque niveau qu'on a joué auparavant. Pourquoi? Parce que je veux débloquer les niveaux secrets, ça va être magnifique. Alors ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est jouer de façon tranquille, relax. Et je vais chercher les étoiles, les timbres et aller au sommet des poteaux hors vidéo afin de pouvoir débloquer les mondes secrets. Ouais, c'est tout ce que je vais faire. Alors je ne sais pas ce qui se passe ici, on dirait bien qu'il faut que je saute sur lui. Donc blablabla, ok. Voilà. C'est bon. Ok, d'accord. Ouais. Oh, j'ai quand même lu ce qu'il faut faire. En gros, il faut que je m'amuse avec lui. C'est comme mon bateau personnel. C'est magnifique et j'ai déjà raté quelque chose. C'est pas bon pour la santé. Wow. Attends, une seconde, c'est tellement dur de contrôler ceci. Pour la première fois, il faut que je m'habitue un petit peu. Oh oui, voilà. Merci beaucoup pour cette étoile. Je vais aller à gauche. Je me demande si je peux aller à droite. J'ai comme vu un cerceau rouge qui me permet d'aller chercher 8 coins rouges. Mais bon, en tout cas, là, ce qui est fait est fait. On s'en va d'ici. Je me demande si je peux aller ici. Ok, on va tenter le coup. Let's go. Bam. Et hop, oh, et voilà. Magnifico. Ça, c'est pas trop magnifico pour être honnête. Bon, on va partir. Je suis sûr que je peux sauter sur les poissons pour les tuer. Mais je ne veux pas tenter le coup. Je ne sais pas pourquoi. Je vais tenter le coup maintenant. Ok, let's go. Ah ben oui, ça marche. Ce sont comme des trampolines en fait. D'accord, d'accord. J'espère que je n'ai rien manqué. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, c'est sur le point de tomber. J'ai eu chaud, j'ai presque sué. Là. Oh. Pas besoin de ça, c'est correct. L'eau. Une étoile là-bas. Oh. Yes. Oh non, j'ai manqué une étoile quelque part. Oh, c'est vraiment dommage. Mais bon, je vais aller le chercher hors vidéo. Ce n'est pas si grave que ça, ne vous en faites pas. Bye bye, mon petit dinosaure des mers. Je t'adore. Et voilà, on s'en va d'ici. Bon, mon petit Luigi s'est beaucoup amusé, c'est fou, hein? Tranquillo. Voilà, voilà. Maudit! Yes, j'ai réussi à aller au sommet du poteau. Il me semble qu'il faut faire ça pour pouvoir débloquer le monde secret aussi. Je ne suis pas trop sûr à 100%, alors si vous pouvez m'éclairer... Faites-le s'il vous plaît parce que je suis vraiment ignorant en ce moment. Alors nous sommes rendus ici, je vois Captain Toad en train de tourner en rond encore et encore. Mais c'est plutôt tourner en carré ou même rectangle, si vous voyez ce que je veux dire. Oh regarde, on s'en fout, c'est un terme, on va pas chicaner pour ça, voyons donc. Alors dans ce niveau, il me semble qu'il faut aller chercher 5 étoiles avec Captain Toad. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ok, c'est cool, d'accord. Donc, je peux bouger la caméra de cette façon, c'est perfecto. J'ai déjà vu une étoile ici, c'est parfait. Voilà, on va juste monter ici et là chercher ceci, revenir sur la plateforme mouvante. Allez là, voilà, c'est quand même simple comme niveau, c'est relax, tranquille, tranquille, n'est-ce pas? Je vois une étoile ici, ok, let's go, on y va. Oh! Oh! Ah, ok, ok, il peut pas m'écraser, c'est bon, je croyais que la plateforme pouvait m'écraser. Donc on va passer par là, il me semble que j'ai une attaque, hein. Ouais, d'accord, je vais tenter de l'utiliser ici. Ouh, j'ai tellement peur de l'utiliser contre eux, je ne sais même pas si je peux le faire. Ok, vous savez quoi, je vais même pas tenter le coup, je vais juste attendre ici. À quoi ça sert ceci pour vrai? Je vais sûrement le découvrir plus tard. Allez, descends petite plateforme. Oh, voyons donc, je me suis fait avoir. Come on. Et voilà, c'est perfecto. Ça... Et c'est parfait! Youhou! On a pogné les 5 étoiles, pas de problème, pas de cacarino! Maman! Il est content, n'est-ce pas? Ah oh, ouais, il est tellement cute, Captain Toad! Alors, nous sommes rendus dans ce lieu maléfique et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gaspillé 10 étoiles pour pouvoir accéder à ce niveau! C'est tellement chiant dans le cul! Il faut que j'aille chercher des étoiles pour jouer à des niveaux! Et maintenant, on va utiliser Mario, ça va être magnifico! Hey boy, vous avez vu ça? Si j'étais un petit cul, j'aurais eu peur. Oh, des ballons de football, let's go! Évidemment qu'on pouvait les utiliser comme ça. C'est tellement magnifique. D'accord, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Attends, attends, on verra si je peux les utiliser comme ça. Oh, d'accord, moi je croyais que j'allais crever si je touchais à ça. Mais bon, c'est correct, on y va. Donne-moi mon étoile, merci beaucoup. C'était assez simple à comprendre, même si c'est la première fois que je fais ça. Là, ici, il y a sûrement un power-up. Seconde. Connaissant les jeux de Mario, c'est toujours comme ça. Voilà, merci beaucoup. On va monter ici, voir ce qu'il y a. Bon, je
pas vraiment besoin de ça là, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Oh, là. Voilà, perfecto. Bien. Merci beaucoup. J'avais fait ça comme par pur hasard, mais ça marche. Alors c'est cool. Pas encore. Perfecto. Maintenant on va escalader cette montagne. Ça c'est un autre power-up, je pense, hein. Même pas? Oh! Non, ma plateforme! Bon, c'est pas comme si j'en ai besoin en tout cas. Voilà! Donc il me reste encore une étoile à aller chercher, c'est magnifico. On va passer par là comme ça. Bim! C'est tellement cool comme niveau. Si je les tue, est-ce que c'est bon? Ok, ouais, d'accord, d'accord. Au début, je croyais que je ne devais pas les tuer pour aller chercher l'étoile. Et que je devais sauter sur les Goombas d'une façon ou d'une autre. Ah, voyons donc! Voilà! Ok, c'est cool. Moi, je voulais les tuer personnellement. Les computers le font. Je suis d'accord avec ça. Les computers, c'est l'ordinateur. J'ai utilisé un mot anglophone, je suis vraiment désolé. Donc, j'ai toutes mes étoiles. J'ai mon timbre. Et maintenant, nous allons massacrer le Big Boss, je pense. Ouais. Si on voit un gros escalier comme ça, ça veut dire qu'il y a un Big Boss à la fin, n'est-ce pas? Ce gars est tellement riche! Ne me dis pas qu'il est allé chercher l'or de Princess Peach pour aller s'acheter tous ses joujoux! C'est pas croyable! Voyons donc, regardez le nombre de châteaux que Bowser a, le nombre de véhicules qu'il a, c'est tellement bizarre. D'où il sort son argent? Voyons donc, le maudit vilain. Je crois pas qu'il travaille de façon honnête alors. Il vend sûrement de la drogue ou c'est un sale voleur, je ne sais pas. Voyons donc, laisse-moi te massacrer. Ouh. Ok, voilà, voilà. Je me demande pourquoi il me lance ces trucs-là pour que je le massacre avec. C'est pas logique. Voyons donc. Ouais, voilà. Parce que honnêtement, personnellement, en ce moment, je n'ai rien pour le massacrer. Je suis juste un plombier. Mais là, il me donne les armes pour le tuer. C'est tellement bizarre. Ouais, let's go. Ça va continuer encore et encore, hein. Ouais, c'est bon. Oh non, je l'ai manqué. Football et c'est le but. Ah, ok, j'ai vraiment foiré mon coup. Ça. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Faut pas que je me fasse avoir par ces pièges, hein. Et hop. Ah, voyons donc, je croyais que le ballon allait bondir. Non, 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 non. Ouf. Là, là, là. J'aurais pu aller chercher le power-up. Merde. Ok, perfecto. Voilà, voilà. Je crois qu'il est enragé en ce moment. Ouf. Waouh. Non, non, non. C'est pas bon pour la santé, ça. Ouf. Allez, mon petit Mario, t'es capable. Et voilà! Un autre coup, s'il vous plaît. Il est bientôt mort, j'espère. Oh, il est pas sur le point de mourir, on dirait, hein? Oh, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dit, come on, baby! C'est comme ça! Voilà! Honnêtement, le ballon devrait bondir. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il lance son ballon, je saute comme ça pour essayer de l'intercepter. Mais non, ça bondit pas beaucoup, ça bondit juste un tout petit peu. Bye bye! Ha. Ah, je me demande combien de fois on va devoir tuer Bowser. Joli feu d'artifice! Oh, en plus il m'a donné son argent! Maintenant je peux me procurer des véhicules de ce genre, c'est magnifico! Wouhou! Bon, voilà, on va partir d'ici. Wow, merci pour cette horloge. 100 secondes de plus! La fille des dents! Hello! Bon, on va aller te sauver. Whoop. Comme ça, on va juste aller chercher les petits sous-sous. Merci, Bowser, de m'avoir payé. Là. Et boum! Je crois que je l'ai eu, hein. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, ok, je l'ai eu. Nice. Maudit qu'on danse bien. Et là, elle va se faire kidnapper de nouveau. Ok, c'est cool. Merci. Mais attends, je t'ai sauvé.
Au début là, lorsqu'on a commencé le jeu, on a vu que Madame s'est fait kidnapper par Bowser. Maintenant que je l'ai sauvé, pourquoi je dois aller ailleurs? Hein, je comprends pas. Ah! Ok. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Pendant un instant, j'étais vraiment en train de me demander pourquoi je dois jouer encore à ce jeu si j'ai sauvé la personne que je devais sauver. Maintenant, on va jouer en tant que Monsieur Toad Bleu, pourquoi pas. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas choisir sa couleur. Des fois, je voudrais choisir un Toad rouge, un Toad vert, je ne sais pas. Pourquoi toujours Toad Bleu? C'est dommage que je n'ai pas l'embarras du choix, en fait. Et ceci, voilà. On va faire un petit boum boum chika wow wow. Prendre le power up et partir ici prendre un pow. Voilà, voilà. Encore plus de sous-sous, c'est magnifique. Être le plus riche, c'est tellement génial. Je me demande si je peux le tuer. Ah, ça te cas, je vais même pas tenter le coup. Fuck that shit. Voilà, voilà. Si je n'ai pas besoin de le tuer, pourquoi je devrais le tuer, n'est-ce pas? Oh, non! Je me suis trompé de bouton. Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment pas voulu faire ça. Oh! Oh! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Money! Money! Oh! Voyons donc! Plus de money! Money! Oh! Oh! Voyons donc! Ah! Waya! Oh mon dieu, je suis tellement riche! C'est tellement génial! Wouh! Je savais pas que j'allais avoir beaucoup de sous-sous ici, voyons donc. Ça, ça fait rien? Ah, ok. D'accord, c'est cool. Jameson! Je suis en train de nager dans les sables mouvants, c'est pas bon pour la santé. J'en ai manqué un en plus. Oh, nice. Même si j'en avais vraiment pas besoin. C'est pas passé loin. Pas d'étoile secret ici, hein? Non, pas d'étoile secret, alors je m'en vais. Peut-être ici? Non? Ah, non! D'accord, merci Pépé, on y va! Et pas. Oh, bon, bon, bon! Oh, tranquille, tranquille! Merde! Oui, pourquoi pas? Un Toad qui lance des feux-feux! C'est vraiment rare! Wouh! Wouh! Oh mon dieu, que la plateforme est minuscule! Et pourquoi je suis allé là? What? Ah, rien, c'est cool? Personne! Si je fais mon coup, c'est fini pour moi. Ici, ici. Ah, 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 je l'ai eu. Voilà, magnifico. Je n'ai pas manqué d'étoile, alors pour l'instant, c'est correct. Voilà. Et si j'essayais de monter là? Ouais, ok, on va tenter de monter là. Non, je ne peux rien faire, pour vrai? Oh, vraiment dommage. Il n'y a pas de secret ici. Je ne peux pas péter ça, non? D'accord, on va aller ici. Oh non, 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 je suis sûr que la dernière étoile est là. Hey, Captain Toad, what? Oh! Ok, il a volé l'étoile. Ben, en fait, il est allé chercher l'étoile et ensuite il me l'a donnée. Wouh, il est super gentil, ce petit bonhomme. Et... Kaboom! Voilà, magnifico. On l'a eu, les amis, c'est tellement génial. Ce jeu est tellement cool. Wow, je savais vraiment pas que c'était aussi fun que ça pour être honnête avec vous. Il y a trois trucs qui sont apparus. Ce niveau et ceci. Je crois que je vais jouer à ceci parce que je n'ai jamais touché à ça. Je vais tenter le coup. Let's go! Ah, attends. Est-ce que j'ai déjà tenté le coup? Je m'en rappelle pas. Mais bon, hop. Hop. Ah, j'ai foiré mon coup. Bon, ah! Est-ce que je suis nul? Voyons donc. Ok, oui, j'avais déjà... J'avais touché... Ah ouais, j'avais déjà touché à ça, il me semble. Oui, 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 je m'en rappelle. Allez, c'est cool. Bon, ce qu'on va faire, c'est aller jouer à... Je sais pas, moi, le niveau d'en bas. Ouais, on va jouer à ce niveau, pourquoi pas. J'espère que ce n'est pas trop dur. Je vois un piranha sombre, maudit, et ça me fait peur. On va utiliser Princess Peach aujourd'hui. Let's go! Ah ah. Pour l'instant, c'est... Oh, ils sont en train de dormir, faut pas les réveiller. Une étoile. Où ça l'étoile? Attends, attends, descends. Ah, d'accord, d'accord. Magnifico. Bon, on peut y aller. Je crois que je vais juste avancer tranquillo comme ça. Voilà. Ceci. Je me demande si je peux les tuer. Ça me tente de tenter le coup, mais non. Ils sont remplis de pic-pic, alors fuck that shit.
Oh! Pas d'étoile, c'est vraiment malheureux. Oh, damn. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Je voulais faire mon Jet Li, mon Jackie Chan. Aller sauter sur le mur et marcher sur le mur. Mais plutôt courir sur le mur. Je sens que j'ai manqué un timbre ou une étoile. C'est vraiment dommage. Oh, wow! Hey, c'est cool! C'est pas terminé. Ok, oui, c'est terminé. Ceci. Oh! Ah, non? Hey, what the fuck? Attendez une seconde. Et si je suis en train de faire ça? D'accord. Ok, je l'ai eu, c'est parfait. Bon, l'important, c'est qu'on l'a eu, n'est-ce pas? C'est le résultat qui compte. Même si je me suis fait fourrer dans le cul pendant un petit instant, j'accepte. What? Oh oh! Qui c'est? Ici? Quelque part ici? Yes! Ok, on a eu, nice! Bon, on n'a pas manqué d'étoiles, on n'a pas manqué de timbre. C'est magnifico! Ouf! Oh non! Je me suis fait avoir! On y va! Nice! Ici, il y a quelque chose! Oh! Voyons donc! You Bowser, what? Il faut que j'aille le chercher là-bas, c'est ça? Voyons donc, mon gars! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Ok, donne-moi mon étoile maintenant! Merci, c'est tout ce que je voulais. Voyons donc, pourquoi il regarde pas comme vers le sud? Il regarde juste l'ombre et il a peur. Ok, c'est correct. Yes sir, on l'a eu les amis, c'est magnifico. En tout cas mes chers amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Super Mario 3D World. N'oubliez pas de passer une bonne journée et on se voit la prochaine fois. Bye bye.